Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour vos likes et abonnements, j'attends toujours avec impatience. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème, votre nouvelle vie. Eh bien, peut-être il y aura des nouveautés, des changements dans votre vie, les surprises. Eh bien, on va voir tout cela ensemble. Quel sera le résultat? Eh bien, abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait, mettez un like. Eh bien, votre nouvelle vie. Vous savez, il y aura une harmonie déjà que vous allez trouver donc dans le futur. Vous savez, ça peut être un bien-être à l'intérieur de vous ou tout simplement une harmonie entre votre vie professionnelle, la vie amoureuse, des bons sentiments. Et oui, peut-être certaines personnes, vous avez eu justement des pertes dans votre vie. Vous avez donc des manques que vous ressentez par rapport à peut-être vos finances et peut-être même par rapport à la vie amoureuse parce que tout de suite, je vois un jeune homme qui se représente ici dans le tirage, quelqu'un romantique, qui peut être attentionné, donc il peut vous entourer de son attention. Pour les femmes, ça sera très très agréable. Eh bien, peut-être votre nouvelle vie commence avec ce monsieur et la transformation globale. Ce qu'il vous apporte, vous devez le savoir. Vous savez, c'est la transformation qui arrive pour vous donner le meilleur dans le futur. Peut-être changer votre vie, mais vers le positif. Donc, sachez cela, eh bien. Et justement, vous allez avoir plus de sentiments, sensations, satisfaction dans votre vie. Donc voilà, vous pouvez améliorer votre situation dans la vie en général. Donc c'est ça donc c'est une nouveauté que vous allez avoir donc dans votre vie. Il faut se battre également. Donc il y aura un peu de concurrence. Donc vous devez le savoir, mais c'est aussi la carte d'envie, de désir que vous devez montrer. Eh bien, ça dépend quoi exactement. Et vous savez, ça, en fait, ça concerne votre vie de la famille, votre prospérité. Donc, vraiment, vous devez montrer vos envies, vos désirs, ce que vous souhaitez avoir dans le futur. Et vous battre pour cela, eh bien, avec ce monsieur, comment ça va évoluer? Et la carte de justice, vous savez, je pense que monsieur, il a tout à fait les intentions honnêtes, donc peut-être il souhaite avoir la relation sérieuse avec vous. Vous devez compter sur cela. Et qu'est-ce qu'il peut vous apporter dans le futur? Vous savez déjà, donc la protection, donc elle peut vraiment peut-être par rapport à cette concurrence qui vous entoure peut-être les gens malhonnêtes, qui ne sont pas donc sincères avec vous, eh bien elle va vous protéger avec peut-être ses sentiments, ses attentions sérieuses vis-à-vis de vous, et aussi peut-être protéger de d'autres personnes qui peuvent intervenir dans votre relation. J'ai tout de suite deux cartes. Vous savez peut-être vous, ces changements, ça va vous faire peur. Donc, peut-être il y a la formation cachée que vous ne connaissez pas. Je pense peut-être les attentions de monsieur, encore c'est un petit peu un secret. Donc, c'est un mystère pour vous. C'est pas encore dévoilé. Et votre futur, les changements, ça vous fait peur. Donc, c'est possible. Comment ça va évoluer? Il aura attente. Donc, dans le futur, peut-être tout ne va pas se passer rapidement. Donc, les changements dans votre relation, mais j'ai un indice, profitez ce temps pour vous poser des bonnes questions, comprendre qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie, déjà vous connaître mieux. Donc voilà, et vous savez, ces inquiétudes, donc cette carte, souvent ça montre, tu sais, un petit peu imaginaire, parce que en réalité, vous n'avez pas à craindre quelque chose, donc par rapport à ces changements qui peuvent arriver dans votre vie, eh bien, on va voir comment votre relation pu évoluer, justement, ces nouveautés, votre nouvelle vie. Et vous savez, messieurs, justement, il va se montrer aussi quelqu'un qui peut vous protéger, quelqu'un actif, qui est motivé, déterminé. Donc, il aime avoir le résultat dans la vie. Je pense que, justement, par rapport à ces transformations, il y a des projets concrets pour vous. Vous devez les savoir. Et comment, quel sera le résultat? Vous allez tout planifier ensemble. Donc vraiment, il y aura votre planification des changements que vous pouvez avoir ensemble. Et quelque chose qui va changer complètement votre vie. Justement, c'est le thème, votre nouvelle vie, avec l'arrivée de ce monsieur. Donc, il va apporter des changements globaux qui vont vous bouleverser peut-être. Donc voilà.
Il va vous donner aussi une stabilité. Donc, sachez cela souvent. Dernièrement, dans les tirages, on voit cela pour beaucoup de couples. Il y a des changements qui vous amènent vers la stabilité. Le résultat que vous pouvez avoir, eh bien, si vous voyez toujours la même chose, c'est un signe pour vous que vous pouvez le faire et vous devez réaliser vos projets. Il y a vraiment une bonne situation qui vous attend dans le futur. Il faut être patient. Tout ne va pas arriver tout de suite. Et justement, si vous avez des inquiétudes, j'ai un indice ici. Donc, à la deuxième fois, pendant ce temps de patience, vous devez analyser votre vie, posez-vous des bonnes questions. Vous allez retrouver les réponses. Pour certaines, même si vous avez besoin de vous éloigner ou peut-être faire un voyage ensemble, faites-le pour vous connaître mieux. Voilà, pour passer du temps agréablement, être tranquille, retrouver une sérénité aussi dans votre vie. Et prendre des bonnes décisions. Et vous savez, je pense, cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un de votre passé. Je pense que vous avez déjà la relation dans votre vie et vous pouvez avancer dans le futur. Donc, sachez cela, vraiment, ce que je peux vous dire, il y a quand même des bons sentiments par rapport à votre passé. Et cette carte, ça me montre aussi, vous devez garder vos sentiments, votre premier amour, l'attirance que vous avez eue l'un vers l'autre, comptez cela parce que c'est quelque chose qui vous a réuni et il faut le protéger. Et c'est une base pour vous, pour votre relation, donc dans le futur. Mais c'est quand même, il y a des cartes karmiques ici. Attention, donc vous pouvez avoir les changements globaux, quelque chose de très important. Donc je vais vous montrer quand même, regardez messieurs, la transformation que vous avez quand même avec lui, mais des bons sentiments quand même qui arrivent dans votre vie, vous devez le savoir. Et messieurs, vraiment, elle est très romantique. Donc, elle va vous donner beaucoup de bons sentiments, donc d'amour dans le futur. Eh bien, je veux voir les cartes de conseil, comment vous devez vous comporter. Et vous savez, peut-être ici, vous faites comme un mur de protection autour de vous, et peut-être vous ne voulez pas vous ouvrir, ça c'est une erreur. Donc vous devez vraiment communiquer, donc voir, les intentions de monsieur, elles sont très sérieuses et honnêtes, sachez cela. Donc voilà, et justement, s'il y a la formation cachée que vous ne connaissez pas, vous devez trouver les réponses donc pour prendre une bonne décision. Il y a le bonheur qui vous attend, vraiment. Il n'y a rien à craindre. Il y a quand même des perspectives qui s'ouvrent à vous. Bonheur, vous avez des bons sentiments. Vous pouvez créer la famille, vous pouvez avoir des enfants si vous le souhaitez. Et tout est basé sur des bons sentiments. Peut-être que c'est votre âme sœur qui vous venez de rencontrer. Donc voilà. Et bon, je trouve quand même qu'il y a des bons sentiments qui sont présents dans votre vie. Gardez cela. N'ayez pas peur pour avancer, réaliser vos projets dans le futur, parce que le destin vous appartient.